J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, je vous parlais d'hier d'un projet très très spécial qui devait bien se passer cet après-midi. Malheureusement, ce projet a été reporté. Bien évidemment, il est reporté pour encore plus de plaisir plus tard. Alors, non, c'est toujours pas ce que vous pensez. Mais du coup, sur cette mauvaise nouvelle du report, eh bien, ça se passe une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Nintendo Direct dédié à Xenoblade Chronicles 3, eh bien, je vais pouvoir le faire en direct avec vous, suivre ça avec vous, et donc profiter, eh bien, de ce petit direct ensemble. Ça se passera à 16h, ça se passera sur Twitch, ça se passera ensemble, et le lien est dans le commentaire épinglé, plus, et bien évidemment, la description. Et maintenant qu'on a soufflé le chaud et le froid sur cette première introduction du Gaming News, on passe bien sûr aux actualités du jour. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant vos actus jeux vidéo du jour, du lundi au vendredi à 7h du matin. Je vous sers votre café et les dernières actus, et aujourd'hui on a 4 sujets qui vont nous intéresser. Dans la barre de défilement, vous avez bien sûr les timers pour vous aller directement à vos news. C'est une vidéo chapitrée, bien évidemment. Vous cliquez sur la barre de défilement qui est juste là, la petite barre rouge là en bas, et vous pouvez aller sur vos sujets préférés. Comme ça vous n'avez pas à perdre de temps, parce que je suis pas là pour vous faire perdre du temps. Donc dans un premier temps, on parlera de la PS5 Slim. Magnifique, parfait pas, c'est un DIY qui est somptueux, mais vraiment, si la PS5 Slim pouvait ressembler à ça, incroyable, incroyable, et c'est magnifique. Et on parlera dans un deuxième temps de Warzone, qui va priver, alors pas Warzone, Call of Duty en termes général, un nouveau modèle pour les tricheurs qui est juste hilarant. On parlera dans un troisième temps, et bien, d'un hommage à Zelda sur la Nintendo Switch, et dans un dernier temps, oups, un problème sur la Nintendo Switch, et pas des moindres, encore une fois. Allez, on commence dans un premier temps, et bien du côté, je vous parlais, et bien de la PlayStation 5 DIY. Vous le voyez, et bien cette personne-là, qui est juste là, a réussi à miniaturiser, c'est pour ça que je vous parle du fait que c'est un génie, a réussi à miniaturiser la PlayStation 5 pour passer, et bien d'une PlayStation 5, d'un gros modèle de PS5 que vous connaissez très certainement, la PlayStation 5 qui est à gauche de votre écran, vers une PlayStation 5 somptueuse qui est à droite de l'écran. Alors bien évidemment, il a fallu faire plein de choses différentes. Il a détaillé de vis par vis la façon dont il est arrivé. Deux petites secondes, voilà. Il a détaillé dans sa vidéo comment il y est parvenu, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien de la vidéo en description, parce que c'est hyper intéressant d'aller dans les détails de tout ce qu'il a fait exactement. Elle est évidemment beaucoup plus mince, vous le voyez, mais le plus grand défi n'était peut-être pas de l'amincir, parce qu'en fait, le plus grand défi dans tout cela, ça a été pour lui la gestion de l'alimentation électrique qui est absolument gigantesque dans la PS5. L'approche donc qu'il a souhaité faire pour sa création, et bien évidemment une création non officielle, hein, on le précise encore une fois, et bien ça a été notamment de gérer les dissipateurs thermiques de la console, et compte tenu de la température à laquelle la machine fonctionne, et bien ça allait être finalement la pièce la plus importante qu'il fallait pouvoir miniaturiser, qu'il fallait pouvoir changer pour pouvoir permettre et bien de ce changement de console. Et donc en gros, eh bien, il a dû créer de ses propres mains son propre système de refroidissement par liquide, donc par eau, entièrement fait à la main entre des feuilles de cuivre. C'est juste énorme ce qu'il a fait. Il a tout détaillé sur son site et dans sa vidéo, donc c'est vraiment c'est un inventeur de génie. Et il y a un truc assez oufissime en fait quand on regarde cette vidéo, et encore une fois je vous invite à aller la regarder, c'est que le mec est un vrai génie. Déjà, la vidéo souffle le froid et le chaud encore une fois, parce que il blinde sa vidéo d'humour pour expliquer tout ce qu'il fait, donc c'est déjà vraiment très drôle. Il a une façon de l'expliquer qui est vraiment très drôle, mais de un, il arrive à miniaturiser des trucs en faisant... Enfin, le mec est un sorcier, genre vraiment. Enfin, je veux dire, tu regardes la vidéo, tu te dis, mais ce gars est oufissime, et en fait le résultat est absolument somptueux, et je vous invite encore une fois à regarder ça, regardez sur cette vidéo, enfin... Regardez là, ça c'est la PlayStation. Regardez ça, ce truc de cuivre tout petit qui est là, c'est la PlayStation 5 Slim.
tu vois. Et on se dit, bon, bah Sony, ils sont capables de faire des trucs comme ça dans le futur. Alors bien sûr, ça demande une ingénierie fait à la main, c'est du DIY, parce qu'il a, fallu vraiment gérer des choses qu'il a dû faire tout seul et qui lui ont demandé quand même beaucoup d'argent. Et la PlayStation 5, à l'heure actuelle, elle coûte déjà suffisamment cher. Si tu fais ce genre de choses, elle coûtera encore plus cher, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Mais surtout le cuivre, qui coûte très cher, encore une fois. Mais franchement... J'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça incroyable, et il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo, parce qu'en fait c'est de l'actualité de jeux vidéo, et en fait c'est un génie, voilà, c'est un génie, et je pense qu'il faut vraiment mettre en avant ce genre de personne, parce que bah, ça fait rêver, et tu dis, si lui il en est capable, je pense que chez Sony, ils en sont quand même capables aussi, ou encore une fois, engager ce genre de personne, parce que la PlayStation 5, elle est quand même ultra mastoc, c'est aussi le cas de la Xbox Series X, hein, soit dit en passant, pas de guerre de console, on sait comment ça se passe ici, mais en tout cas, voilà, Bref, regardez cette vidéo, regardez-la, je vous la mets en lien dans la description. Comme d'habitude, tous les sujets dont je vous parle aujourd'hui et dans tous les gaming news, il y a les liens en description. Enfin, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça, c'est fou. Mais c'est fou, on dirait pas une console en fait. C'est dingue. Je trouve ça incroyable. Regardez, il l'allume. C'est fou, c'est juste incroyable. Moi, je suis épaté par... Ça va démarrer, t'inquiète pas. Je sais que ça démarre après. Voilà, vous voyez, c'est... Bref, regardez ça, c'est fou. Et pour continuer un petit peu sur la bonne humeur du jour, on va parler du côté, et va partir du côté, de Call of Duty. Ouah, il faut vraiment que je pense à enlever les sons parce que sinon c'est pas possible. On va partir du côté de Call of Duty, à la fois Warzone, mais à la fois Vanguard, et surtout également sur les prochains Call of Duty. C'est-à-dire, vous le savez, Call of Duty, comment il s'appelle, Modern Warfare 2 qui arrive, et Warzone 2.0 qui arrive également. Le plus gros problème finalement de ces jeux-là, c'est la triche en ligne. Vous savez, les gens qui arrivent à avoir des aimbots ou encore plein d'autres systèmes de triche. Et c'est une guerre que... c'est une guerre qu'effectivement Activision essaye de poursuivre en ayant Ricochet. Ricochet, en fait, ils ont déclaré qu'ils s'attendaient évidemment dans le futur à avoir d'autres modes de triche, avoir d'autres types de triche, parce que les tricheurs, les hackers, etc., ils arrivent toujours à trouver des choses de plus en plus sophistiquées pour passer au-delà, bien évidemment, des systèmes anti-triche. Mais quoi qu'il en soit, donc il y a déjà eu pas mal de bans qui ont été effectués sur les précédents Call of Duty. On parle de 180 000 joueurs depuis avril 2022. Je vous rappelle qu'on est fin juin 2022. C'est fou, plus de 180 000 joueurs en deux mois, 180 000 joueurs bannis. En fait, t'as quasiment envie de leur dire, moi je suis nul dans les jeux online, je suis nul dans les FPS, mais quand t'as 180 000 joueurs qui trichent, à la limite, les gars, apprenez à jouer. Si vous êtes mauvais dans un jeu, soit vous jouez pas, et puis vous faites pas chier les gens, enfin c'est assez incroyable. Bref, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau système hilarant qu'ils ont mis en place. Finalement, donc il y avait déjà eu un système qui était mis en place, notamment par rapport au bouclier, par rapport à l'atténuation de pas mal de choses. Donc une espèce de boîte à outils. La société Ricochet, finalement, elle a fait une espèce de boîte à outils. Hein, voilà, c'est l'équipe Ricochet d'Activision, pas une société. C'est une équipe Ricochet qui s'appelle comme ça. Disons la société. Voilà, la société Activision a une équipe qui s'appelle Ricochet. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Donc il y avait pas mal de choses mises en place, et cette fois-ci en fait ils ont décidé de priver les joueurs de leurs armes au sein même de la partie, avec notamment cette image que vous voyez là, alors qui marche pas, parce que je sais pas pourquoi elle marche pas. Ce sont les aléas du direct, c'est pas bien grave. Elle veut pas, je vous la mettrai en miniature. Voilà, je vous la mettrai en miniature, cette image. Ils ont décidé, donc au-delà de tout ce qu'ils faisaient déjà, d'enlever l'arme du joueur à partir du moment où en fait il triche. Donc en fait le joueur se retrouvera dans l'environnement, comme ça, sans arme, avec notamment le mouvement, comme s'il avait une arme. Et donc, ce qui est drôle, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils l'ont déjà, ils ont déjà commencé à l'implémenter, et qu'ils ont vu des réactions de streamers absolument drôles, parce que, forcément, ils étaient en train de rager, parce que ils n'avaient plus leurs armes, parce que ces fameux streamers disaient, mais non, moi, je n'ai pas d'aimbot, etc. Le jeu détecte l'aimbot, donc bien évidemment, ils enlèvent l'arme tout bonnement. Alors, encore une fois, personnellement, moi, je serais beaucoup moins généreux qu'à la place d'Activision, c'est-à-dire que moi, un tricheur, je le banne directement. Eux, ils ont décidé un petit peu de prévenir avant de guérir, entre guillemets. C'est-à-dire que tu triches une fois, ok, on te met en place le système anti-triche, l'équipe de Ricochet, la société Ricochet, enfin... la team Ricochet, on va dire ça comme ça, décide finalement de te prévenir en mettant des trucs un peu drôles qui te font un petit peu rager, et tu recommences et ils te bannent directement.
Perso, moi, quelqu'un qui me fait ça en face, je suis en train de jouer. Déjà que j'aime pas trop les jeux multijoueurs, mais quand j'ai un mec en face qui est anti-jeu et qui triche comme ça, honnêtement, moi, ça me fait péter littéralement un câble. On le voit notamment sur Mario Strikers, quand les gens se cherchent pas à jouer, mais jouent le temps et finalement restent dans leur coin. C'est comme dans FIFA, les joueurs qui restent dans leur coin, c'est pas de la triche, mais c'est de l'anti-jeu, c'est du mauvais jeu. Et je me dis, si t'es là pour faire de l'anti-jeu ou pas jouer au jeu, bah finalement, va faire autre chose. Enfin, moi, je trouve ça absolument incroyable. Donc, voilà, moi, je trouvais ça très drôle d'enlever l'arme des joueurs carrément maintenant. Ça m'a amusé. Voilà, ça m'a littéralement amusé. Allez, on passe maintenant au troisième sujet du Gaming News, et là, on est sur un hommage à Zelda. À Zelda, notamment, donc, sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui va sortir sur Nintendo Switch. C'est un hommage à, notamment, Link to the Past Arrow Earth. Ça s'appelle Arrow Earth. Voilà, il est là. Vous allez voir quelques images juste derrière moi. Arrow Earth, en fait, si vous voulez, donc comme je vous disais, c'est totalement un hommage à Zelda, parce qu'en fait, il y a tout qui va vous rappeler Zelda, que ce soit du gameplay d'aventure, le découpage de l'herbe, le fait de prendre des touffes d'herbe et de les balancer sur les ennemis, il y a des donjons, les donjons ressemblent beaucoup, le menu ressemble également beaucoup à Zelda Link to the Past. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est assumé, et c'est ce que j'expliquais l'autre jour par rapport à un autre hommage à Zelda qui rencontrait notamment Stardew Valley, un espèce de mélange entre les deux. J'aime quand les développeurs, donc là c'est l'équipe de Soedesco qui a annoncé qu'ils allaient apporter le RPG d'action sur Nintendo Switch à partir de début septembre prochain, en fait l'équipe assume, et ça j'aime bien quand l'équipe nous dit, ok, nous on aime Zelda, on a envie de créer quelque chose qui ressemble et qui va être un hommage à Zelda, et clairement on va être sur un très bon jeu. Personnellement, je le ferai dès sa sortie. On sent qu'il y a de l'amour qui a été apporté par cette équipe dedans. Le développement, donc, ce sont des Australiens, qui est fait depuis 2017, ça fait donc 5 ans. Il y a eu une campagne Kickstarter qui a été financée en 2020, c'est donc un financement participatif fait par les joueurs, et je vais vous expliquer un petit peu exactement ce que c'est Arrow Earth. Notre histoire commence au pays d'Engard, où notre héros bien aimé, Arrow Earth, se lance dans un voyage pour arrêter le plan diabolique de son frère visant à libérer un mal ancien qui a été scellé dans l'ombre pendant des générations et a déclenché une guerre en utilisant le pouvoir de la paix de la pierre Dryward. Allez-vous affronter votre propre frère et l'empêcher d'exécuter ses plans machiavéliques? Les caractéristiques du jeu sont celles-ci. Un chemin, frayez-vous un chemin à travers des monstres dangereux dans des combats en temps réel, plantez des bombes, lancez des sorts, buvez des potions et surmontez les dangers d'Engard. Voyagez dans un monde ouvert, enchanteur, et découvrez un monde de pixel art à l'inspiration rétro, magnifiquement fabriqué à la main et avec des perspectives aériennes qui vous ramèneront dans le temps et notamment auprès de Zelda A Link to the Past. Plongez dans un monde vaste et captivant, débordant de vie et de personnages uniques. Partez à la conquête de donjons et résolvez des énigme, lancez-vous dans une quête pour sauver le monde et découvrez une histoire de trahison. Et encore une fois, si vous êtes un fan de Zelda comme moi, je suis persuadé que ce jeu, eh bien, vous enchantera à sa sortie. Moi, j'ai trop hâte de le faire. C'est notamment Pixel Earth Games qui est derrière avec l'éditeur, donc Soedesco. Et perso, c'est un grand oui. Et donc, à la sortie, nous en ferons un stream ensemble parce que, bah, encore une fois, c'est un grand oui. Et puis, eh bien, pour terminer ce Gaming News, on va partir du côté d'un oups, du côté de la Nintendo Switch. Je vous ai dit, il y a un problème sur la console. Et il y a un problème concernant un jeu qui vient de sortir, et un problème quand même assez embêtant, puisqu'on parle d'un problème sur, notamment, eh bien, Star Wars KOTOR 2, qui vient de ressortir sur Nintendo Switch, et Aspyr explique que finalement, eh bien, ce problème est un problème connu. Alors pourquoi ils ne l'ont pas réglé avant? J'en ai absolument aucune idée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, en fait, un message posté sur les réseaux sociaux d'un joueur ayant suffisamment joué au jeu, encore une fois, puisque moi je ne l'ai pas encore testé d'ailleurs sur Nintendo Switch, bah du coup je vais attendre, hein, parce que ça donne pas ultra envie, explique qu'il tweet en expliquant à Aspyr que le jeu est tout bonnement interminable. C'est-à-dire que vous pouvez avancer, et à partir d'un moment, eh bien le jeu bug, c'est après une cinématique en particulier que le jeu, eh bien, se bug et se ferme automatiquement. Et il a tenté plein de façons d'essayer de passer outre, il a demandé à ses potes de tester également, et tout le monde en est arrivé au même constat, le jeu sur Nintendo Switch sort et ne peut absolument pas être terminé. La société Aspyr lui répond en lui disant « Oui, effectivement, c'est un problème connu qui sera résolu dans le prochain patch. » Donc évidemment, c'est une bonne chose, parce que Aspyr va effectivement réagir par rapport à ça, mais j'ai peine à croire que Aspyr se soit dit « Bah,
ok, il y a un bug, bon, on le sort quand même. Donc, je sais pas pourquoi le bug est là, parce que normalement, ils sont censés, effectivement, faire l'intégralité de leur jeu au moment où il doit sortir. Il insiste davantage sur le studio en précisant qu'il était bien conscient du problème, mais répétant sa conscience à sa question, il leur dit « Mais vous avez vraiment conscience qu'on ne peut pas terminer le jeu que vous avez sorti ?» Ce à quoi, effectivement, l'équipe de développement a dit « Oui, on en a conscience, nous travaillons à la livraison du correctif dès que possible. » Ça se passe après la cinématique de Basilic Crash, qui montre que les joueurs arrive sur Oderon, ce qui est très troublant parce que c'est à peu près à mi-chemin sur le jeu. Donc en fait, quand je vous dis qu'on peut pas terminer le jeu, c'est même pire que ça, puisque vous ne pouvez même pas aller à plus de la moitié du jeu sur Nintendo Switch. Donc ça soulève qu'en fait des grosses questions sur le retour par rapport au jeu, parce que le jeu a été certifié, le jeu a été publié et il est sorti sur Nintendo Switch dans un état qui fait qu'il ne peut pas être terminé. Et on se dit, comment à l'heure actuelle, en 2022, tu vois, un jeu qui a des bugs, je veux dire, il va se fermer, je veux dire, il va y avoir des problèmes de texture, il va y avoir des problèmes de ci, des problèmes de ça, ok, mais qu'on nous sorte un jeu qui ne peut tout bonnement pas être terminé, et un jeu qui, dès la moitié du jeu, ne peut plus être joué, mais c'est tout bonnement improbable, et surtout venant d'Aspyr, qu'on connaît quand même beaucoup pour ses portages sur Nintendo Switch et pour son travail quand même assez exemplaire de manière assez générale. Donc j'ai envie de leur donner évidemment le bénéfice du doute par rapport à tout ça, mais je trouve ça quand même un petit peu chelou. Est-ce qu'il y a eu des pressions pour le sortir plus tôt? Comment ça se passe par rapport à ça? Franchement je me pose pas mal de questions, parce qu'encore une fois, un jeu qui sort sur Nintendo Switch qu'on peut pas terminer, bah ça fait un peu tâche, et puis encore une fois ça réveille un petit peu tous les gens qui disent oui mais c'est la Nintendo Switch, c'est une mauvaise console. Non, c'est pas une mauvaise console, il y a juste simplement des mauvaises optimisations. Et ça, je le répète à chaque fois, les développeurs l'ont expliqué, c'est pas une console qui est pas suffisamment puissante, c'est simplement un manque de temps, un manque d'argent et un manque d'optimisation. Et pour moi, ça paraît important de le préciser également. Bref, allez, c'est ce qui va clôturer ce Gaming News, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16h pour le Nintendo Direct dédié à Xenoblade, mais également ce matin pour, on va continuer Fall Guys avec des parties personnalisées. On a joué jusqu'à 60 joueurs ensemble, c'était 60 personnes sur le stream qui étaient là avec moi hier, et c'était très très cool. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la chaîne secondaire EMB TV, où est sorti notamment le replay de cette partie personnalisée, qui était ma foi vraiment très très drôle. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, et à très vite, c'était EMB, salut salut!